Il y en a plein des choses. Alors nous venons vers une belle grimpette du rosier après, après une heure et demie de, au moins de montée. Et là on arrive sur un promontoire après avoir un peu escaladé quelques roches. Super panorama et toujours plein de vautours qu'on voit pas forcément là maintenant mais qui était au-dessus de nous il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc le groupe récupère un petit peu. Et le sourire est toujours là. Allez, on continue. Là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire hein? Je croyais qu'on devait... Je descends là? Ah bon, c'est bon. Ouais. Prends pas, oui, si tu veux, tu t'assois. Attends, c'est le même gag. Oh, du coup, j'ai laissé mon sac à Hubert. C'est un sac à main, c'est pas grave. Ça va, c'est un sac de mini-moy. Oh, du plat. Du plat. Du plat. Du plat, terrain plat, c'est même pas marrant. Allez. T'as pas tenté. Si, si. On a une coiffeuse déjà, c'est pas mal. Ah, il y a une coiffeuse, bah, c'est parfait. Il y a l'infirmière, la coiffeuse. C'est pas Anne qui avait proposé ça. Ouais, mais Nadine, c'est son métier. Donc. Ça risque moins. Et ça grimpe bouillant, et ça grimpe bouillant. Oh là, ça monte pas là. C'est une boutade. Si, quand même, hein, ça... Mais ça passe. Oui, ça passe. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce matin. Oui, ça n'a rien à voir. On a fait le plus gros là. On a passé le gros de la troupe. Un beau panorama, on voit bien là. On n'a pas gêné, ni à droite, ni à gauche. La croix est de plus en plus basse. Elle s'est cassée le nom de la croix. Elle est coupée avant de partir. Il y a une manicure dans l'équipe. Là, on est un dénivelé, on doit être pas mal. Bon, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça parce qu'on l'a pas fait vite. Hein. 331. On a encore 400 mètres à faire. Hein. Maman, il a. La gueule.
Allez, arrivé aux arcs de Saint-Pierre, toujours aussi magnifique. On va s'en approcher. Alors, la dernière fois que je suis passé, il y a beaucoup plus de vert au niveau au pied des arbres. Pourtant c'était plus tard dans la saison, mais je pense que comme il pleut très peu. Voilà, donc mesdames, vous en avez déjà une première ici. On va la voir, hein, on peut même s'en approcher. Voilà, première arche. Alors, deux arcs, l'une après l'autre. Bonjour. Allez, on va rejoindre Francis et Corinne. Village proto-historique. Qui est à 100 mètres des arcs de Saint-Pierre. Et ensuite on termine au gîte de la Vialle pour terminer cette quatrième journée fort en émotion. Nous avons devant nous les héros de cette journée, ceux qui ont bravi leur peur, les survivors. Ouais, bah c'est pour ça que faut filmer un peu, sinon on va se dire mais ils étaient où? Fin de la randonnée, nous arrivons à un petit kilomètre à la Vialle pour la dernière nuit de ce trek autour du Causse. Grosse journée aujourd'hui avec beaucoup de parties techniques sur une partie de la rando à partir juste au-dessus du Rosier. Pas mal d'endroits où on a dû mettre les mains, faire des passages
de sacs à dos, de bâtons, pour que on soit plus à l'aise pour crapahuter. Mais bon, ça s'est bien passé. Pas d'accident. Quelques petites frayeurs par moment, mais il faut mettre un peu de piment dans cette randonnée. Non, voilà, ça s'est bien passé. Voilà. Allez. On va terminer cette soirée en beauté pour fêter l'anniversaire de Valérie et par la même occasion d'Hubert qui pour lui ça sera demain mais on va le faire ce soir. Donc, voilà. Allez, à demain, à tout à l'heure hein, pour encore une petite vidéo pour la soirée. La viale de la journée de la quatrième journée. Maintenant il faut trouver le gîte. Donc on va suivre le panneau. Je vois ma voiture, donc tout va bien. Alors elle m'a dit en face et c'est une porte jaune apparemment. Bon, c'est dommage, on pourra. Il va pas faire assez chaud pour prendre l'apéro dehors, mais c'est fort charmant. Allez, tout à l'heure. Et moi je disais, tu ne me touches pas. Ah oui. Joyeux anniversaire. Alors comment? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.